avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Ibero dum dabi boxan dabi rosa. Oni bero akwara mzibe wikin yukwe. Bese ewe ntan tiga. Wikin yukwe bese ewe ntan tiga. Aye la be otu. Dipore mamje sami. La haya. Fumbe ne bat. Fumbe be. Dinet katwen sone se. Si yiso lom fan. La boul fan. Mam ya sagera ni pebila tori la mam ira kupesi nda kumus fara musi mam sen ka kuesi yeli fara ya tumoina sunzo yere zuko tanginga la pebila tanginga. Today the word of God is found in Revelation chapter 7 verses 9 to 10. After this I saw, and look, a great crowd, which no man was able to number, out of all nations and tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, dressed in white robes, and there was palm branches in their hands. And they kept shouting with a loud voice, saying, salvation we owe to our God, who is seated on the throne and to the Lamb. Amen. Thanks be to God. Hello, Poro. Mam bisminye nel kum kumo nel nel katarum kare. Padela su unu nerva, la guru nerva, la tisu nerva, la yuto guru nerva. Badaya la fancy, zala fa fomo forba nusun zen zen na ambibin la pepile la nenga. Bator la keke yeti, farizet la tomana weng, inzi ana ambibin zio, la pepile la zian, amina. Lokilaria, lokaya siri. Bukan jinai cara sardong. Gebu bahu mana berlenda, mukus dojek gula. Kuntura kiting guna gian kodi dojek gelainam. Guna berle dojek gelainam. Guna kus dojek gelainam. Guna ten lain kita kodi dek riari alam to. Dia dah no kalim baik nam. Guna guna badik nam to. Buku gun dalan dan yudu rodek. Tobey kam kianga kujidegu to, depa tangu kujidegu boi wenu kana, kadile tofa ala le sigu sika limbaiki lam tofa mbunbagile lam to. Yani yake tangere yani kiga, yani lugumi ya bunti angla, lani mpendi nela yani lugumi yaba, alke uba kulikambiri kikamba. Banyak ini yang nandunati yang kulit ni, leni ini bod kulit ni, leni ini yang bod kulit ni. Biden se lipat kalkanu, leni kepergangan kuali. Kenal dia kencama, kemudi papa pari. Biden pani kedua, cici nuri wangka lipat kalkanu oleh ni kepergangan. Banyak dia mizinima namina. En calant que tu vas quand même, il y a des sera où l'on l'a avec ce pronton qu'à cet an. Beaucoup encore, n'est-ce qu'il y a que j'aimant pas filet, mais aussi tu sais qu'à autant. Au bon assis à oubert, ni bon sang oubert, ni mon aussi pas oubert, ni quand oubert là. Au jolien vers ma sassique là, ni sa radé, ni un foro. Du le qui j'aimant bien oubert le quand même. N'est-ce qu'il y a un bon oubert ou bon. Obe kare ni kamba yuko kisili yeye anga masasi kila kama sigipa ala
ani sagaden taye. Amina. Gloire à Dieu. Nous avons demandé à M. Kalo et à M. Pouillet de la République. La gloire est splendide, tout au monde le soleil. Ton amour nous sentira, Seigneur. C'est pourquoi nous respirons, nous avons ton amour. Thank you.
on va s'asseoir dans la joie du Seigneur et demander à la chorale Mix de rester. Ala ba kar to besi le, mil ala
Come on.
et ceux qui entendront ta parole par divers autres moyens, bénis-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Et fasse qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme vous le savez, la terre entière avait une seule langue. Et il fut un moment où les hommes ont décidé de construire une tour qui va jusqu'au ciel. Et selon le livre de la Genèse, Dieu dit, mais le projet que ces hommes sont en train de mener, ce projet va arriver à terme. Alors Dieu a décidé de descendre et de confondre les langues. La yamma da ka kiel Israel da ma yel yel. La yamma da ya samba le ka som ya. La yamma da ka takche, yamma da ka takche bo, la wenam, la yamma da ka takche bo, la wenam dunia pouye, la mwasa, kri jesu poua, yamma se da zare, gusga, yamma kien kri zi ma yinga, te wè, bam ya ton la fe, Semana aí o fã te lembre, mas aí para te lembre, lá sem sangue da briga, sem da vitória soca, se a bema, o to, bamis a to, tonho, nem não fã, nem bamiga, aí a te bamte a mani fã, te me para lembre, bamben a mas minga, lá bamiga lá fe, lá bamis a lembra sem da be Buda aibu fa nemena suka amandamti ablewa yinga yemre mepumbe pika panga lapsa bema bamwa mona lafi pela ne yamsenda zana la nimni sha anda tewa chekwen bamma simyinga ton fa pa masol nesira songo ayemre ti wabadenga woto yinga Yankale ya sam wala buto toliasi yambi ya buda yebre ne wena neba la yambi ya wena yidamba la yambe yebara zubu si ya tontunda la wena mule seba la jipris mena si ya roa pamkuli bamasimyinga roa bumfa si ya ntokotaba samawa Nemeba nebwa rusongo usaba masinga ba masinga yame meme ti wena msira ruo. Nous poursuivons la lecture dans Apocalypse, c'est notre thème pour cette semaine. Donna que le créateur ne will recevoir si à ton nom super. Apocalypse 7 9 et 10. Après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Vous devriez chapitre 1, verset 1, verset 1. N'importe qui vous pèse, décollez ma pièce avec la haya. Pour mon bébé, tu n'es qu'à faire un sort de saillé. C'est juste sur le fin, la boule fin, la nef son gomme gomme traité à fin. Bam yes, bam yas sa guerre, n'est plus la torre. La bam yas vous pèse, un tarpon m'a repoussé. Bam zin qu'à pèse y été. Paré, à toi, moi, n'en sais pas, sans guerre, zoubou, pan yinga, la fébida pan yinga.
Le passage que nous avons lu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est clair, c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître. Et ce dernier était en prison quand il écrivait cette lettre. Son objectif était de raffermir la foi des chrétiens qui étaient à Éphèse. Et Éphèse est une ville de l'Asie mineure, et aujourd'hui on peut dire que Éphèse est située dans la partie occidentale de la Turquie. Paul, après avoir invité ses lecteurs à penser à leur vie passée, après il leur a fait comprendre qu'ils sont maintenant un en Jésus-Christ. Paul a indiqué que Jésus-Christ a uni les juifs et les non-juifs. Et Jésus-Christ devient celui qui renverse les murs de séparation. Et comme je vous l'ai dit, c'est le thème de notre prédication ce matin, renverser les murs de séparation. Si Jésus-Christ a renversé les murs de séparation, l'enseignement que nous pouvons retenir, c'est que nous ne devons plus édifier des murs de séparation entre nous chrétiens, entre frères et sœurs. Nous pouvons considérer trois éléments à travers ce passage de l'épître de Paul aux Éphésiens. D'abord, l'apôtre Paul indique qu'il y avait une séparation. Au verset 11, il commence à dire « Souvenez-vous ». C'est très difficile de s'examiner soi-même. Mais plusieurs fois dans la parole de Dieu, Dieu nous demande « Souvenez-vous ». Mais plusieurs personnes n'aiment pas se souvenir d'où ils sont venus. Surtout s'ils sont de grandes personnalités aujourd'hui. Surtout s'ils ont réussi. Ils veulent plus se rappeler qu'ils allaient à vélo. Ils ne veulent plus se rappeler qu'il allait en P50 ou en CT. Ils ne veulent pas se rappeler qu'il fut un moment où il manquait de manger. Et cela va les amener dans l'orgueil. Mais l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, souvenez-vous. Mes frères et sœurs, souvenons-nous d'où nous sommes venus. La plupart des croyants d'Éphèse étaient des non-juifs. Paul leur rappelle qu'ils étaient sans Dieu. Qu'ils étaient des incirconcis. Qu'ils n'avaient pas d'espérance. Qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Il leur rappelle que les Juifs les méprisaient. Alors l'apôtre Paul leur dit, souvenez-vous d'où vous êtes venus. Il dit également aux Juifs, c'est vrai que vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous avez reçu les promesses. Vous avez reçu la circoncision. Vous êtes le peuple élu de Dieu. Mais rappelez-vous également que tout ce que vous avez eu, ce n'est pas par votre propre force. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la peine de mépriser les autres. Sinon, vous allez tomber dans l'orgueil. Paul voulait que ces Juifs
ne se complaisent pas dans leur situation actuelle. Ils ne voulaient pas également que les non-juifs, les Éphésiens, se complaisent de leur situation. Et il leur rappelle qu'ils étaient séparés de Dieu. Ils étaient éloignés de Dieu. Ils n'avaient pas d'espoir. Ils n'avaient pas de Dieu. C'est vrai que les Éphésiens avaient des dieux, mais ils n'avaient pas le véritable Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ils étaient séparés de Dieu. Et cette séparation a commencé avec Adam et Ève. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'humanité entière, juif et non-juif, sont sous la juste et éternelle condamnation de Dieu. Et tout homme qui naît dans ce monde a le germe du péché dans sa vie. L'homme ne devient pas pécheur. Il naît déjà dans le péché. Que dirons-nous à ceux qui disent que l'homme devient pécheur? Rappelons-nous seulement du cas des bébés. Quand ils sont en train de téter le sein de leur maman, il y a certains qui sont très malins, ils mordent un peu le bout et puis ils se lèvent, ils regardent et puis ils rient. Est-ce que c'est papa et maman qui ont appris à cet enfant de pincer avec les dents et puis de se réjouir? Mes frères et sœurs, l'homme naît pécheur. Et à cause de cela, Dieu va appeler tout homme en jugement. Et tous ceux qui sont des pécheurs iront en enfer. Ainsi, l'homme est séparé de Dieu. L'homme est sous la condamnation de Dieu. La séparation entre les communautés, la séparation entre juifs et non-juifs, mais la séparation également avec Dieu. Il y avait une inimitié entre communautés. Il y avait également une inimitié entre Dieu et l'homme. Que faire? Quelle est la solution? C'est là le deuxième point de notre méditation. L'unification présente. Et nous voyons cela à partir du verset 13. L'apôtre Paul donne comme réponse en disant « Mais maintenant ». Vous étiez séparés, vous étiez éloignés, mais maintenant. Eh oui, ceux qui étaient éloignés, ceux qui étaient abandonnés, Dieu les appelle de se rapprocher. Il les appelle par le sang de Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre, qui a annoncé le royaume de Dieu. Jésus-Christ qui a été cloué à la croix. Son sang a été versé. Il a été mis au tombeau. Jésus-Christ qui est ressuscité au troisième jour. C'est ce Jésus-Christ, le sacrifice, qui rapproche les êtres humains avec Dieu. Jésus-Christ est venu faire la paix entre les hommes. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il a fait la paix avec vous. Et il vous appelle, vous qui étiez au loin. Et il vous appelle également, vous qui étiez proche. Pour qui est la paix. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même dit, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est en Jésus-Christ seul que nous pouvons avoir la paix véritable. Et l'apôtre Paul de dire que
Jésus-Christ est venu détruire le mur de séparation. Ce mur existait réellement. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur qui séparait la partie où les non-juifs pouvaient être et la partie intérieure du temple. Et il y avait des écritures qui indiquaient ceci. Interdit de franchir. Si un non-juif franchissait ce passage, il allait être condamné de mort. Ce mur a existé réellement. Et Jésus-Christ est venu pour détruire ce mur. Afin qu'il y ait une réconciliation. Afin qu'il n'y ait plus de barrière entre juifs et non-juifs. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est le remède contre tous les préjugés du tribalisme. C'est un remède contre la séparation entre les riches et les moins riches. Jésus-Christ est le remède contre ceux qui croient être intelligents et ceux qui croient être moins intelligents. Seul Jésus-Christ est venu détruire ce mur de séparation. Il a instauré la paix entre juifs et non-juifs. Et il a aussi instauré la paix entre Dieu et les hommes. Mais pourquoi cela? C'est là notre troisième point de la méditation. Avec le sang de Jésus-Christ, avec le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, une nouvelle famille a été créée. Nous voyons cela au verset 19 de Éphésiens 2. L'apôtre Paul dit ceci. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. C'est ce que nous voyons dans Éphésiens 2, verset 19. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 2, il y a un mot de Dieu. Il y a un mot de Dieu, il y a un mot de Dieu, il y a un mot de Dieu. Est-ce qu'il ne nous est pas arrivé un jour de nous retrouver dans une ville que nous ne connaissons pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés dans une ville qu'ils ne connaissaient pas? Quelques-uns. Est-ce qu'il y a certains qui sont allés dans une église qui n'est pas notre église? Moi, je suis déjà allé en Touba. Vous pouvez baisser les doigts. Quand nous nous retrouvons dans ces communautés, quand nous nous retrouvons dans cette ville, c'est comme nous ne sentons pas nous-mêmes. Parce qu'on se dit, est-ce qu'on me connaît ici? Est-ce qu'on ne va pas me rejeter? Peut-être que je ne parle pas la même langue. Mais au ciel, gloire à Dieu, ça ne sera pas ça. C'est un pays où nous ne sommes pas encore allés. Mais quand nous allons y être, nous n'allons pas nous perdre. Parce que l'apôtre Paul dit, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des gens de la famille de Dieu. Il n'a pas dit vous allez être, vous serez. Non, il n'a pas dit cela. Il a dit vous êtes présentement de la famille de Dieu. Avec Jésus-Christ, ce n'est pas à peu près pour avoir le paradis. Quand on a Jésus-Christ, on a la vie éternelle. On est de la
famille de Dieu. Parce que l'apôtre Paul lui-même a dit, vous êtes de la famille de Dieu. Il n'a pas dit, il est possible que vous soyez de la famille de Dieu. Mais il dit, vous êtes de la maison de Dieu. Parce que vous aviez cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ introduit chacun de nous qui avions cru en lui dans la famille de Dieu. Il a détruit le mur de séparation. Et nous sommes maintenant dans une nouvelle famille. Et cette famille a des règles. Gardons-nous donc d'enfreindre les règles de cette famille. Et une des règles que je veux que nous comprenions est de ne pas ériger d'autres murs de séparation. Il n'est pas normal là, que nous érigeons d'autres murs entre nous. Il n'est pas normal qu'entre madame et monsieur, il y ait un mur. Ils ne se parlent que devant les gens. Mais à la maison, chacun est à part. Comme certains le disent, ils peuvent même faire chambre séparée. Ou alors lit séparé. Alors que Dieu a dit que vous êtes une seule chair avec le mariage. N'érigeons pas des murs dans nos couples. N'érigeons pas les murs dans nos familles. Sachons écouter nos enfants. Les enfants, sachez écouter également vos parents. Pour ne pas ériger des murs entre vous et eux, vos parents. Parents, n'érigez pas des murs entre vous et vos enfants. Vous n'avez de contact avec vos enfants que quand vous faites sortir le fouet. Ou alors pour crier sur eux. Qu'est-ce qui vous empêche de causer avec eux? Qu'est-ce qui vous empêche de vous entretenir avec eux? De toucher leur tête. De tapoter leurs joues. De les prendre peut-être. N'érigeons pas de mur dans nos familles. Nous pouvons même parler d'érection de mur dans l'église. Et des gens peuvent, après le culte, refuser de se saluer. Alors que Jésus-Christ a détruit le mur de séparation. Et nous devons être capables de saluer tous les frères de cette église. Nous devons être capables de saluer toutes les sœurs de notre église. Si nous ne le faisons pas, nous sommes en train d'ériger des murs. Et pour cela, Dieu va nous appeler en jugement. Parce que nous n'avons pas respecté les règles de la famille de Dieu. Dans notre vie professionnelle, nous pouvons même ériger des murs. Il n'est pas rare de voir des collègues qui refusent de se parler. Il n'est pas rare de voir des collègues qui refusent de se saluer. Il n'est pas rare de voir des collègues refuser de travailler ensemble. Mes frères et sœurs, que cela n'existe pas parmi nous. N'érigeons pas les murs entre nous. Parce que Jésus-Christ a détruit le mur de séparation. Entre professeurs et élèves, des murs peuvent être érigés. Et le professeur brandit la note tout le temps. Sans communication véritable. La même chose, les élèves également peuvent ériger des murs entre eux et leurs professeurs. Que dire des murs qui peuvent exister entre différentes communautés?
On m'a dit, mais nous, on ne fait pas se marier avec telle ethnie. Hein. C'est vrai, ils sont des chrétiens, mais nous, on ne peut pas se marier avec ces gens-là. Est-ce que Jésus-Christ a maintenu le mur de séparation? Non, il a brisé le mur de séparation. Et nous formons une seule famille. Et les riches sont en train de mépriser les pauvres qui n'en sont pas ainsi dans notre église. Qu'il n'y ait pas ce genre de séparation dans notre église. Il n'est pas rare également qu'on parle d'autochtones et d'étrangers. Des gens qui se disent, ça a commencé avec nous. Et ils taxent les autres d'étrangers qui n'en sont pas ainsi dans notre église. Refusons d'ériger des murs de séparation. Tous ces murs que j'ai cités apportent inquiétude, honte et tristesse. Et ces murs apportent l'orgueil. Ces murs apportent beaucoup de tristesse. Et ça détruit des églises. Ça détruit des familles. Ça détruit des nations. Alors, mes frères et sœurs, abattons les murs de séparation au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui peut nous diviser, abattons cela au nom de Jésus-Christ. Si c'est dans ma famille, nous devons les détruire. Il ne sert à rien de venir chanter disant mais nous sommes de telle communauté si dans notre famille nous avons érigé un mur. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est le destructeur des murs. Il dit ce matin, vous secourir. Il étend ses bras pour la réconciliation. Peut-être la situation dans laquelle tu es, tu te dis que c'est impossible. Je ne peux plus pardonner ça. Je ne peux plus aller avec un tel. Lui et moi, on ne peut plus s'asseoir sous le même arbre. Hébreux 4, 7 nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Repentez-vous. Et abattez ce mur de séparation. Jésus-Christ peut le faire pour vous. Il suffit seulement que vous lui demandez. Parce que Jésus-Christ renverse les murs de séparation. Mes frères et sœurs, tout au long de la semaine, nous avons adoré le Seigneur dans différentes langues. Nous avons voulu marquer notre appartenance à la foi commune, à l'église de Darnoué. Et le livre de l'Apocalypse nous rappelle. 15 jours au ciel, toute langue, toute nation, toute tribu, tout peuple, une grande foule va être là en train d'adorer le Seigneur des Seigneurs. Et ceux qui vont le louer et l'adorer, c'est ceux qui ont purifié leur cœur dans le sang de Jésus. Sinon, ils n'auront pas les robes blanches. Tous ceux qui auront érigé des murs de séparation, des séparations quant à l'ethnie, la séparation quant à la richesse, la séparation par le refus de pardonner, toutes ces personnes ne pourront pas adorer le Seigneur avec cette grande foule.
Les frères et sœurs, il nous appartient donc de nous souvenir. Il nous appartient de nous rappeler d'où nous sommes venus et ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous devons être. Alors nous devons travailler chaque jour à mériter pour rentrer dans ce royaume de Dieu. Ce que nous avons vécu au cours de cette semaine est un avant-goût. Au cours de la semaine, nous avons vu des gens qui ne comprenaient pas certaines langues, mais qui se levaient et dansaient à la gloire de Dieu. Ce n'est qu'un avant-goût. Et le Seigneur nous invite. Nous qui avions compris cela, évitons de redresser des murs entre nous. Examinons-nous donc pour savoir si nous n'avons pas, si nous n'avons pas dressé des buts entre nous. Parce que Jésus-Christ est venu vous annoncer la paix. La paix à vous qui êtes au loin. Mais la paix à vous qui êtes tout près. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu que par Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, restons attachés à ce Sauveur merveilleux. Ce Sauveur qui a accompli sa mission et qui s'est assis à la droite du Père. À ce lieu, il est en train d'intercéder pour chacun de nous, tous qui croyons en lui. Mes frères et sœurs, puisque nous l'avons vécu cette semaine, que cela nous aide à cultiver l'amour entre nous et à détruire toutes sortes de murs entre nous. C'est à partir de ce moment seulement que ce que nous avions pris comme thème dans Apocalypse 7, 9 et 10, nous allons avoir le privilège d'être de ceux qui vont louer le Seigneur à la gloire de son nom. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à ne pas dresser des murs. Et que les murs qui auraient pu exister soient détruits au nom de Jésus. Yeah.
Vraiment, rendre grâce à Dieu pour cette occasion qui nous a permis de se retrouver et de connaître même les ethnies qui se trouvaient dans cette église. Parce que certainement même, on ne pouvait même pas imaginer que dans cette église, on puisse avoir une quinzaine d'ethnies dans cette église. Ça nous a permis vraiment de dénombrer déjà les nombres de communautés. Et ça permet à nous tous, comme jeunes, de savoir nos racines. Voilà, puisque quelqu'un dit que pour savoir d'où l'on va, il est évidemment nécessaire de savoir d'où l'on vient. Donc vraiment cette semaine, ça nous a permis en tout cas en tant que jeunes de reconnaître d'où nous venons. Et certainement il y avait certains jeunes même qui ne savaient pas d'où venaient leurs parents. En tout cas, ça fut l'occasion pour nous de savoir d'où nous venons et de pouvoir communier ensemble pour l'œuvre de Dieu. Semaine là pour l'église cette semaine, bon meningawa. Il y a bourbourou, totor zanga, nerfa, wane bourgomde, maneyila, chermana théâtre bourou. Cela a commencé le lundi par des chants jusqu'au jeudi. Et le vendredi, nous avions traité un thème d'une conférence qui a pour thème l'historique de l'introduction des assemblées de Dieu au Burkina Faso, ainsi que la parenté à plaisanterie. Le samedi, nous avons fait un concert. Aujourd'hui, c'était le culte spécial. À mon humble avis, nous rendons gloire à Dieu pour ce qui a été fait.
Dieu nous a permis de réaliser de grandes choses et de permettre de savoir que nous sommes réellement un, bien que nous parlons différentes langues, le Seigneur nous a fait cette grâce de le servir, de le louer, de l'adorer dans notre propre langue. Donc je tire un bilan positif à la gloire de Dieu, de notre Père. Nous avons pensé que nous avons plusieurs communautés dans notre église et que tous les dimanches, c'est la communauté Monsi seulement ou française qui preste, chante. Mais les autres communautés, en fait, ne prestent pas, ne font rien. Et c'est pourquoi nous avons essayé de les intégrer, pour que chacun puisse s'exprimer dans sa langue, dans sa culture, pour louer Dieu. C'est un sentiment de joie, une très grande joie, parce que les uns et les autres se sont sentis chez eux, dans leur communauté, dans leur propre communauté. Et en même temps, ils ont amené tout le monde à s'intégrer. Même si tu n'étais pas de la communauté, tu participais à la danse, au chant, à l'animation, ça fait que vraiment c'est un sentiment de joie et nous rendons grâce à Dieu pour cela.